que vous allez bien. Donc je reviens dans ma vidéo comme promis de la commande de chez FDeco, toujours très très bien emballée. Voilà, avec le petit cœur thank you et la ficelle. Cette fois-ci elle est bleue. Hop. Regardez précieusement. Et maintenant on va ouvrir tout ça. Alors. Pour les prix, je vais essayer de vous les donner. Hop. Alors, tout d'abord, j'ai acheté de la texture paste. Donc, ceci, c'est la pâte de texture avec du sable et du sable blanche. Voilà. Hop. Donc effectivement, ça fait des grains. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra. Niveau d'or, ça sent normal. Et ça, j'ai payé 4,31 €. Voilà. J'ai eu un petit chocolat. Pas les mêmes que d'habitude. Toujours avec sa petite carte dans la petite pochette. Le petit mot merci. Après, j'ai commandé des die cuts. Donc, j'ai pris la collection Wedding of... Bon, bref. Collection de mariage. Donc, ça, je l'ai payé 2,40 €. Et on a tout ça. Voilà. Vous comprendrez mieux après pourquoi j'ai pris cette collection. Enfin, ces die cuts. J'ai acheté cette collection de die cuts. Et on a tout ceci dedans. Ça, j'ai payé, il me semble, 2,40 € aussi. J'ai pris la collection d'éléphants. Il n'y avait plus un petit garçon. J'espère la trouver. Et ça, c'était aussi 2,40 €. J'ai pris une shaker box rond. Comme ceci. Le diamètre, si je dis pas de bêtises, 7,5. Voilà. Donc moi, je les adore, ces trucs-là. J'ai payé 2,35 €. Et j'ai craqué pour la montgolfière. Voilà, je la trouve vraiment trop trop belle en shaker box. C'est super joli. Et 2,35 € aussi. Après... j'ai pris de la poudre à embosser, donc celle-ci c'est la mangue. Voilà, j'ai voulu prendre des toutes simples, voilà, pour tester, parce que les pailletés c'est pas fait pour en fait embosser les écritures. Voilà, donc j'ai pris celle-ci, j'ai pris celle-ci et c'est émeraude. En caméra, elle avait l'air très jolie. Toujours la poudre embossée. Et la dernière, c'est celle-ci. Citron vert. Est-ce que... Allez, focus. C'est difficile des fois, il est chiant. Voilà. Voilà, j'adore celle-ci. Donc, hâte de tester ces petites poudres. Et je me suis acheté des flippettes, les 10 à 65 centimes. Donc j'ai pris les rouges, les jaunes, elles sont en métal, alors ça j'adore, les bleus, les violettes, les vertes, les violettes. Lila, il y en a deux. Ah oui, j'en avais pris deux pièces, effectivement. J'ai pris deux noirs. Hop, ça me fait focus sur mes ongles. Et les dernières, c'était les bleus. J'avais même pas fait gaffe que j'en avais pris deux de chaque. Bref, c'est pas grave. Et après,
c'est carnage sur mon bureau. Si vous voyez de ce côté, c'est carnage. J'ai pris les sprays nacrés. Donc, j'ai pris le rose cindré. Bon, cendré, je pense. Voilà. Est-ce que vous allez voir le... Elle est très, très jolie. Vous voyez le nacre dedans? Voilà. Moi, j'adore. Donc, ça, j'ai payé 2,35€. Et j'ai pris la même en couleur nacre, gorge de pigeon. Voilà, elle est trop, trop belle. C'est plein de paillettes, enfin de nacre. Oh là là, c'est magnifique. Vraiment, je suis super, super contente. Allez, voilà. Et j'ai repris des enamel dots. Donc, j'ai pris... celle-ci, c'est la citron. Voilà. Un jaune pastel. Celle-ci, c'est feuillage printanier. Voilà. Vous la voyez un peu plus flashy hein, quand même. Elle n'est pas autant flashy. Et après, la dernière, c'est la mint. Celle-là, c'est mon coup de cœur. Je la trouve trop trop belle. Donc 3 encore à ma collection. Et après j'ai que du papier. Donc pourquoi j'ai pris les die cuts? Parce que j'ai pris la collection de papier mariage. Donc avec les die cuts, donc les bagues et tout. En 20-20 par contre j'ai pris celle-ci. Et j'ai payé 2,75€. Donc voilà, vous avez les motifs ici. Voilà. Celle-ci. L'autre que j'ai pris, c'est ce qui va avec cette collection-là. Toujours en 20-20, avec les petits oiseaux. Je vais pas faire la mise au point. Hein. J'adore le Bambi, là. C'est trop beau. Voilà. Par contre, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commander les 20-20 et les 30-30 à chaque fois. C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, pour mon autre commande. Et après, j'ai commandé celle-ci en 30-30 parce qu'elle est tout simplement sublime. Et celle-ci, par contre, je l'ai payée 30-30 Chabitrine. 5,90€. Donc, on a ces modèles. J'adore. Et moi, c'est surtout pour les trucs à découper comme ça. J'ai craqué dessus. C'est trop beau quoi. J'adore. J'adore. Et on a les petites étiquettes. Je vais vous les faire voir. En anglais et en ukrainien. Donc, comme ceci. Et comme ceci. Celle-ci. Beau. Hop. Hop. Bon bref, j'ai l'impression qu'il y en a plus que d'habitude. Ouais, parce que j'en ai eu plein là. Je sais pas si c'est normal parce que j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc bref, vous les faites pas, c'est tout le même style. Je ne sais pas du tout si c'est fait exprès ou pas. Et à chaque fois que je défais ça, j'arrive plus à les remettre comme il faut. Voilà. Et la dernière collection de papier que j'ai commandée, c'est celle-ci. Elle est trop, trop belle. J'adore. Avec les... Enfin, comment on appelle ça déjà, voilà. Elle est trop belle, les coquillages. Et les die cuts. Dans ma prochaine commande, il y aura les die cuts. Je vais oublier de les commander. Regardez, mais je crois que là, il y en a que... Non, c'est qu'en fait, il y en a plus dans l'autre. Il y a eu une petite erreur, je crois. Hop, hop. Voilà. Et derrière, on vous les verra à l'envers. Cette collection, elle est sublime. Elle est trop belle.
Je suis trop fan. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'était la commande de chez FDECO. Donc, moi, je m'imprime avec les photos. Comme ça, quand je passe commande, je regarde si je l'ai déjà, en fait. Donc, vous voyez. Pourtant, elle m'a envoyé le papier, elle. Et comment ça s'appelle? Et moi, j'ai imprimé comme ça. Au moins, c'est plus facile. Et il me reste cette commande-là que je n'ai pas reçue encore. Voilà mes petits achats. Hop, je vais essayer. Hop. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye, bye.